Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors, normalement je devais pas faire de vidéo parce qu'en ce moment vous savez que je fais un stage parce que je suis en BPGEPS. Donc du coup j'ai école jeudi, vendredi et stage tous les soirs et le samedi matin. Du coup j'ai vraiment pas le temps de faire des vidéos et je suis dégoûté, moi le premier et vous aussi. Donc pour ça j'essaie de vous faire quelques vlogs. Même si je sais que c'est pas super intéressant, mais j'essaie de les rendre intéressants justement. Si je voulais vous dire un point très important, donc j'ai encore refait un accident. Voilà, l'état de ma voiture, je suis encore dégoûté comme d'habitude. Cette fois-ci c'est une erreur con. J'ai fait l'accent, c'était une erreur con. En gros bah j'ai reculé, j'avais la musique trop forte. Et donc maintenant j'ai appris que bah j'apprends que bah je mettrai plus la musique forte comme ça parce que j'avais la clim, les fenêtres fermées, musique forte. J'ai vérifié derrière moi. Et j'ai. Allez, je me suis dit, attends, je revérifie pour voir s'il y a toujours ma place. Au final, bah, j'aurais pas dû. Et après, j'ai pas revérifié derrière moi et j'ai reculé à fond et puis voilà. Bon, bref, là, je vais en cours. Donc là, ce matin, j'ai 4 heures de théorie. C'est bien, mais c'est super intéressant. Mais qu'est-ce que je m'endors? J'ai pas beaucoup dormi cette nuit en plus. Et ensuite, après l'après-midi, c'est. Bah, du coup, c'est plutôt cool. J'ai 4 heures de pratique musculation avec un prof qui est passionné. Franchement. J'ai trop de chance, je suis trop content parce que dans mon stage et en cours, mes profs ils sont passionnés. Du coup, je trouve ça génial quoi. Donc voilà, on se retrouve à tout à l'heure la team. Ok la team, du coup là on se reprend là, j'ai fini les cours, je n'ai pas filmé les cours. On commencera la semaine prochaine à filmer les cours et le stage. Juste pour vous informer que ça fait à peu près une semaine que je me suis entraîné à l'équilibre sur les deux mains. Au début je tenais à peine 30 secondes, enfin 3 secondes pardon, et maintenant je tiens à peu près moins de 20 secondes, donc dans les 16 secondes la dernière fois j'ai fait. Voilà, mon objectif c'était 30 secondes, mais bon, je continue à m'améliorer. En tout cas je suis vraiment content, j'ai réussi à trouver le point d'équilibre. J'ai vraiment compris comment ça marchait. J'ai compris la bonne posture parce qu'avant je combrais de ouf. De toute façon je vais vous montrer les images. Désolé c'est en portrait parce que de base je devais pas faire une vidéo sur YouTube, mais bon je le fais. Et du coup voilà, dans le vlog je vais vous mettre ça. Donc vous allez voir là maintenant tout de suite, je vous montre les premiers. Voilà, et maintenant je vous montre à l'heure d'aujourd'hui mon niveau sur l'équilibre. Vous allez voir la posture et tout a changé. Et on se retrouve demain je suis en stage, je vais vous filmer ça je pense, on va voir, à demain la vie. Hop. C'est parti, on répare la voiture. Merci papa Bricolo. Ah, heureusement que j'avais pas passé dans le coffre quand j'ai fait l'accident. Non? Travail, c'est remis, vous avez vu? C'est pas du. C'est pas un travail de merde ça, hein? Merci papa. J'ai très peu le temps de parler comme en batterie faible. Je suis toute la journée dans mon lit, je pratique flemme. Non, je ne suis pas fidèle, mais tu n'es pas si belle. J'ai du mal avec les smileys, je suis comme Patrick Jane. Fais du feu mon élément, c'est de la braise qui s'abat. Sur les murs du bâtiment, j'ai gravé Genji Sama. Tu veux parler mandarin, mais dis-moi qu'est-ce qui va pas. Je ne lève la main que pour frapper comme un Genki-dama. Perdu dans ma vie, j'ai trouvé bon de m'évader le mal. Et sous ma peau comme Sinatra, que de ville chakra. Mais je maîtrise l'attaque, j'ai du poids sur les épaules, je suis le fils d'Atlas. Je suis bridé dans les mots, je gratte à l'encre. Bon, vous avez vu, il a mis ses mains en dessous, du coup, normalement, logiquement, c'est pas validé. Mais vous avez vu, il m'aide presque pas, il a juste mis ses mains en dessous. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est validé ou pas la barre à 120. Ouais mais c'est validé l'équipe, c'est validé. Validé mec. Ouais c'est une épreuve. Toi dès que tu passes la barre des 120, c'est quoi y'a tout de suite, ouais, je veux dire, dans le vlog, dès que tu passes la barre des 120, de 100 kg pardon. Je fais le semi-marathon, je fais un semi-marathon, mais A few moments later. Habillé en meuf. Dès que tu passes la barre des 100. Mais pour ça t'as un mois, après c'est mort. Un mois. 100 kilos, une barre à 100 kilos. De Chine, j'ai préféré voter blanc que pour un temple de skin. J'aurais donc parlé de moi sur de vieux samples de spleen. Je peux te raconter ta vie, donne-moi le temps que je screen. God damn. Mon gars va, je fais ce qui me plaît. T'es qu'une putain, c'était fait ce qui te paie. Chevalier de noir vêtu, je suis dans le thème Chris Bell. J'ai des problèmes d'attitude, je suis dans le training day. Psh, psh, psh. Bientôt j'ai ma carte sob, j'ai que de l'eau dans ma cristalline. Ralenti comme au début, j'entends le 8 Spanish. Bon, la team, là, on va faire une petite vidéo. C'est une petite vidéo surprise, vous allez voir. C'est parti. Caméraman que vous connaissez tous. D'ailleurs, regardez ce. Salut moi vite mec. Pour remercier le caméraman, le caméraman, tiens frérot, un petit shirt WB. On a tuné ta caisse. Voilà comment on entraîne les chevaux. Ok, donc comme vous avez vu aujourd'hui on est un peu équipé. Notre caméraman il a ramené son petit drone, stabilisateur, caméra. On va faire une petite vidéo, je sais pas si elle sortira avant ou après celle-là, mais juste un indice, je vous montre ce mur là. À peu près.
Ça va être une petite vidéo, bon je vous le dis, ça va être une petite vidéo motivation, mais je vous dis pas sur quoi. Vous verrez, en tout cas vous allez kiffer. Voilà. Dites-nous dans les commentaires ce que vous voulez voir comme genre de vidéo. Ça c'est vraiment pas... Ça je vous dis par contre c'est vraiment pas fait pour moi. Le skate ouais mais ça non. Bon allez. On vient de faire la vidéo, et on a eu une peur de ouf. Le drone on l'a lancé, on a fait la vidéo finale en haut. Et en haut qu'est-ce qui s'est passé Teddy? En haut qu'est-ce qui s'est passé? Bah les câbles qui sont en haut là. Et bah il est passé entre les câbles. En fait il pouvait plus contrôler le truc. Et je contrôlais plus rien. J'ai eu trop peur, j'ai dû faire lâcher la manette, faire ça. C'est tout ça l'équipe, en tout cas on vous réserve. Ouais, bonne vidéo. Bon allez, on range le matériel, là on finit les plans au stabilisateur. Et après c'est parti, je vais au taf et je vais vous filmer un peu au taf ce que je fais. Allez. Ok la team, donc là on est mardi matin. Hier soir du coup j'ai fait mon stage, vous savez, je suis en une journée d'alternance en BPGEPS. J'ai fait tous les cours collectifs de 18h à 22h, donc vous savez que je suis mort. La semaine dernière j'avais pris l'habitude, donc même quand je faisais les cours collectifs j'avais plus mal ni rien. Mais là avec le week-end comme je n'en ai fait aucun, donc là dès lundi j'ai attaqué, ça m'a fait du bien et en même temps j'ai eu mal, voilà. Voilà, j'ai pas trop eu le temps de vous filmer parce que comme j'enchaîne les cours collectifs, voilà, je pense pas du tout à vous, je suis désolé, enfin je pense pas à filmer ou quoi, tellement que je suis KO. Donc tout ce que je pense c'est récupérer et boire un peu. Donc voilà, donc là c'est parti, je vais chez le coiffeur, ma coupe elle est pas du tout. Ok la team, là je reviens du coiffeur, donc je suis pas coiffé donc j'enlèverai ma casquette après. Je voulais vous dire aussi, donc pour moi c'est important, ça fait à peu près une semaine que je suis avec une fille, voilà, que j'ai rencontrée. Donc pour ceux qui m'ont sur Snap ou Instagram, d'ailleurs si vous m'avez pas, ajoutez-moi. Je vous l'avais montré, enfin j'ai fait une photo story avec elle. Si jamais vous voulez une vidéo avec elle, donc il faudra beaucoup de commentaires. Simplement pour la motiver parce que je crois qu'elle aime pas trop ça, les vidéos. Du coup voilà, donc mettez beaucoup de commentaires, comme ça elle va le voir. Et comme ça peut-être qu'on fera une vidéo, genre une FAQ avec elle. Voilà la team. Ah oui, pour important aussi avec Vlad, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un programme, plusieurs programmes, donc ce sera en salle. Et aussi un programme avec une vidéo ou pour un gros circuit training pour pouvoir perdre du poids. Donc vous inquiétez pas, on vous expliquera tout, on sera sur PDF, tout ça. Ce sera pas, vraiment pas très cher. Et vous allez avoir des résultats de ouf, on va faire un truc pour avoir un corps athlétique et au top, un physique au top. Voilà, la team. A few moments later. Ok la team, donc là hier j'ai pas été à la salle parce que j'étais malade. Je sais pas pourquoi, à cause de la clim, je suis dans la salle de cours collectif. J'ai été au taf mais j'ai eu du mal, j'ai fait qu'un cours collectif. Voilà, donc là aujourd'hui c'est parti. Cette nuit j'ai pas réussi à dormir, j'étais vraiment mal. Ce matin je suis réveillé et ça allait beaucoup mieux, je sais pas pourquoi. Donc là c'est parti, on va à la salle, on va se détruire le dos parce qu'hier j'ai pas été. Et après je vais au taf ce soir et demain j'ai cours. Voilà, vous connaissez le rituel. Donc voilà, c'est parti. Ok, donc du coup je vous laisse sur ces images là. Je suis désolé du vlog, il est vraiment pas long. Voilà, donc ce qui s'est passé aussi pour, je sais pas si vous avez vu, on devait filmer une vidéo, vous avez vu, on était dehors avec Vlad, on faisait une vidéo un peu genre motivation. Le drone n'a pas eu beaucoup de plans, il y a eu des problèmes avec le drone, il a fallu se percher et tout. Du coup on a recommencé la vidéo entièrement. Du coup voilà, je vous fais quand même un petit teaser pour vous montrer quel genre de vidéo ça sera. J'embarquerai pas, mais mille dans le caveau. T'es tombé dans les pommes et lago dans le panneau. Je suis capitaine, mitaine sur la barre du bateau. Dis à ta vilaine que t'auras pas ta part du gâteau. Tu me fais de la peine avec ton regard de cabot. Je roulais des pelles pendant que tu prenais des. Coogee down to the socks like I'm Biggie Popper. Keep your girl head in my Tommy boxes. But when it out, she a silly hoe. Cause she know the Frankenstein can't plenty doubt. She don't get nothing. Ok la team, du coup, ce que vous aurez compris, c'est que j'ai pas beaucoup de temps à cause du stage et l'école et tout. Mais voilà, je suis désolé de pas être trop présent. Voilà, en tout cas, je veux vraiment vous dire, je me rends compte que YouTube, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de ma vie, j'adore ça, ça, je vois que ça me manque et tout, vous me manquez. Voilà, vous inquiétez pas, on va venir beaucoup plus fort, on fait une petite pause pour venir beaucoup mieux. Les vêtements War Body, ça va arriver très vite, on va aussi faire des bracelets, merci à ton papa d'ailleurs, et c'est lui qui a fait les démarches, mon père m'aide énormément dans ce projet là. Toute ma famille derrière moi, ça fait énormément plaisir. Voilà, donc sur ce... je ferai d'autres vlogs, vous verrez, je ferai d'autres trucs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir d'intéressant. Voilà, et puis sur ce, n'oubliez pas, prenez soin de vous, la team. On élargit le dos, les pecs, on endurcit la tête, on fait des fautes et un peu trop la fête. La mémoire fait des j'ai eu le vent qui part. Tiens, regarde.